Hello à tous, c'est Florian de Easy Piano, j'espère sincèrement que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver dans cette vidéo spéciale Noël. Je me suis habillé comme le Père Noël aujourd'hui, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'à la fin de cette vidéo, j'aurai un petit cadeau pour vous, une petite surprise. Mais avant tout, dans cette vidéo, je voulais d'abord vous montrer comment harmoniser un morceau pour qu'il sonne jazz. Il y a 2-3 petites techniques faciles à mettre en place qui vous prendront que 5 minutes pour jazzifier votre morceau pour qu'il sonne vraiment jazz en 2 minutes. Et comme on est dans le thème de Noël, on va prendre une chanson de Noël et on va l'harmoniser. Donc si ça vous intéresse, on se retrouve tout de suite. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer le morceau en version jazz et ensuite je vais tout vous expliquer. Et voilà le résultat. Donc en fait c'est hyper simple, comme vous avez pu voir j'utilise toujours le même accord, ce qu'on appelle en jazz un block chord. Donc c'est une forme d'accord qui peut se réutiliser sur toutes les notes de la gamme. Donc ce block chord là, il fonctionne comme ceci. Tout va se jouer avec la mélodie qui se trouve au petit doigt. Il suffit d'y mettre une tierce, puis une seconde en dessous, puis une autre tierce, et on a un accord. Donc, moi je joue par rapport à la mélodie, mais en fait c'est un accord de Do majeur 7e avec une 9e. Donc on se rend compte qu'on a l'accord de Do, Do, Mi, Sol, auquel on a juste ajouté une 7e majeure et une 9e. Si on mettait l'accord dans le bon sens, ça nous ferait ceci. Sauf que là, on veut mettre la mélodie au-dessus. Et c'est pour ça qu'on joue comme ça. À partir de là, on va pouvoir décaler cet accord-là sur toutes les notes de la gamme pour jouer la mélodie. Donc la mélodie, elle va faire au début Sol, La, Sol, Mi. Et donc si on ajoute les accords, il faut viser avec le petit doigt la mélodie. Là, on bouge tout en parallèle et on met un Do à la main gauche. Ensuite, on répète ça une deuxième fois. La troisième partie, ça, on va cette fois-ci aller en Sol à la main gauche et la mélodie va faire Ré, Ré, Si. Donc, avec l'accord, ça va faire Ré, Ré, Si. Comme ceci. Après ça, on va revenir en Do et la mélodie va faire Do, Do, Sol. Donc avec le bloc chord, Do, Do, Sol. Comme ceci. Donc là, je vous refais une fois toute cette première partie. Et ça sonne tout de suite jazz, ça sonne très très calme, très posé, c'est tout ce qu'on aime dans les chansons de Noël. Alors ensuite, on arrive sur la partie B du morceau, on va aller en Fa, cette fois-ci à la main gauche, et la mélodie va faire... comme ceci, donc La, La, Do, Si, La, Sol, La, Sol. Alors là, ça devient un peu plus compliqué parce qu'il faut vraiment bien viser les notes. Mais avec un peu d'exercice, on y arrive. Comme ceci. Et on répète ça une deuxième fois. Et voilà. Et la toute dernière partie, on va aller en Sol à la main gauche.
Et la mélodie va faire comme ceci. Donc sol est là à la main gauche, je le refais. Comme ceci. Donc avec nos accords, ce qui n'est pas évident, c'est que là on a plusieurs sauts. Et il faut donc bien viser à chaque fois qu'on saute. On n'a pas de degré conjoint cette fois-ci. Il faut faire fa, ré, si. Et donc ça demande un petit peu d'exercice. Et après, on revient sur le do et mi. Et pour terminer, on a cette phrase-là. Donc là, on a do, sol, do à la main gauche, pendant que la main droite fait do, sol, mi, sol, fa, ré, do. Donc, avec le bloc corde, ça va faire comme ceci. Et on termine sur un accord de do. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Donc, je vous avais parlé au tout début d'une petite surprise. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo. J'ai mis en ligne depuis une semaine maintenant ma propre école de musique où je vais vous apprendre à jouer des morceaux. Je vais vous apprendre aussi des techniques, des petites astuces que j'ai développées depuis mes nombreuses années d'enseignement du piano. Donc, c'est un cours que je viens de créer, qui va être complété par la suite. Je mets donc ce cours en pré-vente, donc à un tarif réduit de moins 25%. Toutes les infos sont en description. Si ça vous intéresse de jouer du piano ou de progresser ou d'apprendre des techniques, des petites astuces pour enrichir votre jeu, vous pouvez tout trouver en description. Et sinon, comme d'habitude, il y a le cours gratuit de 30 minutes pour débuter le piano et apprendre un morceau qui se trouve également en description. Voilà. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé, mettre un petit commentaire également et à vous abonner pour pas manquer les futures vidéos qui arriveront en janvier. Donc, je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël, une excellente année, prenez bien soin de vous et amusez-vous bien.